de faire confiance à certains joueurs, comme Dany Luc par exemple, c'était des premières titularisations. C'était nécessaire après le match de jeudi. C'était court le délai quand même avec le voyage, etc. Et puis bon, moi je trouve que notre première mi-temps, bien sûr, on ne s'est pas créé beaucoup d'occasions, mais eux non plus. Nous on s'est créé une belle occasion, on tire sur le poteau au début. Si on la met, ça change peut-être un peu la physionomie du match. Mais on a eu quand même 63% de possession de balle, donc les autres que 37. Ils ont surtout contré les autres ou joué la transition. Mais nous, ce jeu-là, jouer dans le camp adverse, on a de la peine à se créer des occasions. On a essayé de jouer haut, mais on ne se crée pas assez d'occasions avec ce système-là. Et c'est pour ça qu'on a changé en deuxième mi-temps, à partir de la 60e. On a eu enfin des centres, il y a eu des débordements, etc. Mais voilà, quel système faut-il jouer ? Ouais, bon, moi je trouve que le carton rouge sur Todibo, il est sévère, parce que le carton jaune qu'on lui donne sur cette action, il n'y a pas de faute grave. Je dois revoir encore. Il n'y a pas une faute grave. Il veut pas blesser, il veut... Voilà, sur les minages, j'ai pas vu, je peux pas juger. Il nous manque des choses, on contrôle pas assez le jeu. On a des difficultés dans la transition, c'est-à-dire quand on récupère le ballon en bas, on va pas tout de suite de l'avant. C'est difficile de faire une contre-attaque pour le moment. Et voilà, c'est là qu'on doit progresser, quoi.